grande mélodie. C'est l'histoire de Tom Elliott, qui est un propriétaire de petits supermarchés dans une ville minuscule du Kansas, que j'ai appelée Shelawick. Et alors, à chaque fois qu'un client entre dans son petit supermarché, Tom attrape un allure téléphonique et il écrit un petit poème de trois lignes, une espèce de petit haïku japonais, pour saisir sur le vif ce client qui vient d'entrer. Donc en fait, il a dans ses annuaires une espèce de grande fresque romanesque, une espèce de, je sais pas, de grande archive poétique de tous les habitants de sa ville. Et donc son petit supermarché, il a deux caractéristiques. Le premier, c'est qu'il n'y a à peu près rien à acheter dedans. Il vend ce qu'il appelle sa trilogie du bonheur, c'est-à-dire vaguement de quoi se nourrir, se laver et tuer les mouches, ce qui est très important parce qu'il y a énormément de mouches à Shelawick. Et la deuxième particularité de ce supermarché, c'est qu'il y a un fauteuil de barbier devant sa caisse que Tom a installé, qui était en fait le fauteuil de son père, qui était le barbier de Shelawick, que tout le monde connaissait, et où chacun a pris l'habitude de venir s'installer après avoir fait ses maigres courses. Et là, voilà, chacun se livre, parle de sa vie, de son enfance, raconte ses rêves nocturnes. Bon. Et tout le monde le fait d'autant plus spontanément que Tom est un garçon qui sait très bien écouter. Il a une telle sensibilité poétique qu'il arrive à rendre toutes ses confidences, là, tous ses récits, vraiment intéressant, ce qui est un exploit parce que la vie n'est pas intéressante à Shelawick. Il n'y a rien à faire là-bas, toutes les vies se ressemblent, tout le monde travaille à l'usine de pop-corn qui se trouve à 50 km au nord de la ville. Où qu'on regarde, partout autour de Shelawick, on a un gigantesque désert de pierres noires, brûlant, poussiéreux. On a l'impression qu'il ne peut rien se passer, que rien ne peut arriver à Shelawick. Jusqu'au jour où, sur le trottoir d'en face, juste en face du petit supermarché de Tom, pousse un gigantesque hypermarché ultra moderne avec de la climatisation, avec tout ce que Tom n'a pas. De la climatisation, une variété de produits incroyables, hyper luxueux, hyper désirables, tout est moins cher que chez lui. Et fatalement, très vite, tous ses clients lui tournent le dos, vont faire leurs courses en face, et donc Tom se retrouve super isolé dans son petit supermarché. La source de ses petits poèmes est complètement épuisée, tarie, parce que plus personne ne passe le pas de sa porte, et il se met du coup, parce qu'il a très envie d'écrire, à écrire un roman autobiographique qui s'appelle « Vie et mort d'un supermarché », et il a plein de choses à livrer qu'il a lourde sur le cœur, parce qu'en fait Tom il est d'origine amérindienne. Toute sa famille maternelle est Kansa, c'est un des peuples autochtones des Grandes Plaines, et donc toute cette famille, bah, elle a connu le destin de tous les Indiens des Plaines à cette époque, au 19e et au début du 20e, donc évidemment la mise en place des réserves indiennes, les internats où les enfants ont été arrachés à leur famille, les enfants des tribus indiennes envoyés dans ces espèces de camps militaires où toute leur langue natale, leur tradition, toute leur culture était totalement écrasée, piétinée. Bon, à travers le roman de Tom et à travers le roman que j'écris, on apprend, via ses souvenirs familiaux aussi, tout le destin de ces Indiens des plaines. Mais donc Tom continue à écrire dans son petit supermarché, mais il n'a plus de clients, il n'a plus d'argent, il déprime beaucoup, il envisage même le pire. Et là, deux miracles vont venir le sauver. Le premier, c'est la caissière, une caissière de l'hypermarché d'en face, qui s'appelle Emily Dickinson, comme la grande poète américaine, et qui est vraiment la caissière la plus nulle, la plus désorganisée, la plus rêveuse, la plus improductive de toute l'histoire du supermarché. Et évidemment, ça s'appelait énormément à Tom, qui tombe amoureux d'elle. Et puis la deuxième chose qui va le sauver, c'est une chanson qui s'appelle Popcorn Melody. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus, sinon il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de roman.
C'est pas du tout une lâcheté, en fait, de baisser les bras comme, voilà, comme il fait, ou une manière un peu d'être indifférent et de ne pas se soucier des problèmes du vrai monde. Là, son refuge dans la littérature, dans la poésie, dans les confidences, etc. C'est vraiment une façon de résister quand on n'a pas les armes pour résister. Et c'est une idée que je me fais généralement de la littérature, que c'est pas une fuite lâche, que c'est une manière tout à fait saine de créer des espaces de liberté immense dans un monde où les rapports de pouvoir sont tellement violents que s'il fallait vraiment frontalement s'opposer à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui veulent vous faire travailler dans l'hypermarché d'en face, dans des conditions de travail horribles, et ben le combat est perdu d'avance. L'idée aussi, c'est est-ce que cet univers de poésie, il peut exister dans un endroit inculte où il n'y a rien? Et la réponse, c'est oui, et d'autant plus oui que faute de divertissement, faute de produits, de choses à consommer, on est renvoyé à soi, quoi. Il est devant le désert comme devant son âme morte et vierge, et on sent que toute cette inspiration poétique, elle vient aussi de la sécheresse du désert, du fait qu'il faut aller trouver des réserves de vie là où les pousses sont toutes petites, tout est en germination. On sent que voilà, que il y a rien. D'ailleurs, c'est un thème récurrent dans le roman. Il y a rien qui est en altitude, en fait. Rien ne dépasse. On a l'impression qu'il faut extirper les choses du sol, qu'il faut essayer de faire pousser des choses où rien concrètement ne pousse, où il n'y a pas de saison, il n'y a pas de renouvellement. Et cette idée d'être dans une terre sans saison, en fait, sans renouvellement, c'est aussi le visage d'une vie. Ça veut dire qu'est-ce que serait une vie qui ne peut jamais se renouveler? Toute la philosophie de vie de Tom, c'est qu'au contraire, plus la terre est aride, moins on a l'impression qu'on peut extirper de sa vie quotidienne de la matière riche. Plus on va s'engouffrer dans les moindres petites fleurs qui poussent dans le désert, parce que ça c'est aussi un thème récurrent, c'est voir quelque chose pousser dans le désert, dans ce roman. Et alors ça me fait penser à un texte que je viens de lire cet été là, de Philippe Jacoté, de la poésie dans Paysages avec figure absente, dans ce recueil-là, où il parle de ces paysages qu'il associe à l'idée de paradis, et qui pourtant n'ont absolument rien d'avenant. C'est des espèces de paysages de son enfance, un peu divers, avec du caillou, tout est rentré dans la terre, on a l'impression que voilà, c'est vraiment âpre et austère. Et l'espèce de fierté qu'on peut avoir quand on aime ce genre de paradis, ce genre de paysage qui se livre si difficilement, qui demande tellement de temps et tellement de contemplation pour être aimé à sa juste valeur. Et bien là, on a l'impression que Tom, il fait ce travail-là. Le fait que ce soit si visuel, si cinématographique, ça vient aussi de ma façon d'écrire. Ça veut dire que avant d'écrire, j'ai jamais un thème, l'idée d'une histoire, l'idée. Bon, j'ai très très souvent, et là c'était vraiment le cas, un paysage. Et j'ai l'impression que plus je plonge dans l'écriture du roman, plus ce paysage se précise. Et là, depuis le début, j'avais ce grand désert de pierre très hostile, avec des éclats de quartz, et juste ce qu'ils appellent ce toucan-là qui dépasse du désert, cette espèce de forme géologique en forme de toucan noir qui vient casser. Voilà, ça c'est très cinématographique. Enfin, moi j'imagine vraiment le cadre quand j'écris. Et c'est aussi parce que quand j'écris, je fais toujours l'effort d'essayer de voir tout ce qu'il y a dans l'image. C'est assez étrange comme façon de procéder. Je ne cherche pas à ajouter des choses pour faire couleur locale. C'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai des images très 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 précises qui me viennent et j'essaie d'en extirper juste ce qu'il faut dans l'écriture pour qu'on ait bien conscience de ce cadre visuel. Mon dernier plaisir de lecture est un roman de James Salter qui s'appelle Un bonheur parfait. De façon générale, j'aime ces lectures complètement impressionnistes où on comprend à retardement ce qu'on est en train de lire et où toutes les impressions s'accumulent et où finalement la trame, l'histoire, s'il y en a une, c'est juste le chemin que prennent ces émotions. Il y a un art de l'ellipse en fait chez cet auteur qui rend presque plus fort tous ces creux, quoi, tous ces passages où on reste dans la musique et dans son écriture toute scindée entre deux passages. C'est-à-dire qu'il faut toujours, que l'esprit imagine de quoi et de quoi sont faits les trous dans le texte. Et c'est pas du tout des trous d'espèces de coquetterie de scénariste qui s'amuse à nous énerver en faisant un montage très compliqué ou en sautant volontairement
une espèce d'étape narrative qui serait essentielle à la compréhension du livre, on a l'impression qu'il manque une espèce de matière qui nous a été donnée en germe dans l'écriture et que le lecteur ressent en fait. Tous les manques sont ressentis très fort. Et moi j'adore cette espèce de sensation de lire dans les blancs en fait, de lire entre les lignes.